tout le monde, je m'appelle Léandra Olinga et aujourd'hui on va faire une séance physique ensemble. Alors on va commencer par le stretch, par le warm-up, le stretching. Donc on commence par le cou, tranquillement. Et aussi l'autre côté. On passe aux épaules. En arrière. On passe aux hanches. Comme vous avez vu, à chaque fois, je fais 5 tours d'un côté et après, je change de côté. C'est important. On échauffe bien les genoux. Cheville et poignet, on peut le faire en même temps. Ensuite, on va chauffer un peu les muscles. Alors, on va commencer par 10 squats. Alors, pour ceux qui peuvent, hein, on peut descendre plus bas. Bon, c'est un peu compliqué. Ok, après on passe aux fentes avant, 8 de chaque côté. On va commencer par une simple planche avant. Hop, un petit pour 20 secondes. Okay. On passe sur le côté. Vous pouvez le faire sur les genoux aussi. On va faire 20 secondes. Change de côté. Hop. Bon, c'est mieux si vous avez un tapis, hein, surtout si vous le faites à l'extérieur. Hop! Oh, on va faire le Superman! 15 fois! Mmh. On va replacer ça, là! Ok! Talon de fesse! Montée de genoux et jumping jack. On va faire 20 secondes de travail et 10 secondes de récup. Allez, c'est parti. Ok, on s'arrête 10 secondes. Prenez bien le temps de boire entre chaque exercice. C'est reparti. Ok.
Ok. 10 secondes de récup encore. C'est reparti. Ok, on va passer au bloc de travail. Alors, j'ai pas forcément les poids avec moi, mais je vais bien vous montrer les exercices afin que vous puissiez les faire chez vous. Alors, on va commencer par 15 répètes de dumbbell bench press. Alors, le mieux, si vous avez des bouteilles d'eau, si vous pouvez pas mettre de poids, et vous pouvez ajouter autant de poids que vous voulez. Hein. Comme vous voulez. Alors, vous mettez au sol comme ça. Vous avez des poids ici. Vous descendez et vous montez 15 fois. Passer au gobelet squat. Alors pareil, vous pouvez prendre des poids, un sac à dos. Je vais prendre un sac à dos pour vous montrer. Je vais vous servir tout ce que vous pouvez prendre en main comme ça. Et vous descendez. Alors c'est 15 fois aussi. Ok, c'est parti. Une fois, vous pouvez rajouter plein de choses dans votre sac à dos. Comme ça, l'astuce, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de poids dedans ou faire un sac léger, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va passer un petit gainage. On va faire 20 fois le sit-up, ça s'appelle. Alors, on va les jambes comme ça et on monte. Voilà pour le step. Ensuite, on va repasser aux montées de genoux, mais cette fois-ci pour 30 secondes. Allez, c'est parti. Dernier exercice du bloc, le star plank. C'est en fait la planche, mais en position étoile. Ok, c'est parti. Hop.
Ça fait 30 secondes. On a fini le bloc. Alors, de façon optimale, vous pouvez le faire 3 fois. Après, vous pouvez y aller étape par étape. Hein, pour commencer, peut-être faire ce bloc une fois. Puis se challenger à le faire 2 fois pour arriver à le faire 3 fois au final. Et après ça, vous devez faire un stretching de tout votre corps, vraiment. Les abdos, les jambes. On n'a pas fait trop de bras, mais quand même, ça sert toujours de s'étirer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez bien travailler avec mon workout. Gros bisous !